Bienvenue au troisième épisode de J'apprends à la maison. Et aujourd'hui, je vais apprendre à mettre des chaînes sur la voiture de l'office. Renan, il est où? Alors aujourd'hui, on apprend à mettre des chaînes. Des chaînes sur la voiture? Ouais, ça sera mieux, ouais. Ok. Alors c'est relativement simple, aujourd'hui c'est un temps idéal parce qu'en fuite on va pouvoir s'entraîner. Alors comme t'es une demoiselle, on prend toujours un petit sac de course. Tous mes genoux. Plus important au cul avant de commencer, c'est de vérifier si la taille des chaînes c'est la bonne taille. C'est bah oui, ça... C'est bon Je sais pas en fait, regardez. Ok. Ah, c'est bon. Après ça a l'air toujours très compliqué. Et en fait c'est pas du tout compliqué. Le plus important en fait, c'est avant de commencer à mettre les chaînes, c'est de défaire les nœuds et que ce soit impeccable comme ça. Tu vois comment bien les chaînes ? Ça sert trop les épaules. C'est pas facile. Plus dur, c'est vraiment au tout début. Et là, tu vas remonter sur le haut du pneu. Voilà. Ouais. Voilà. Et après, regarde, c'est vraiment une histoire de couleur. La petite chaîne doit venir effectivement ici. Et ces deux systèmes-là, hop, c'est comme avec des ressorts, et c'est le plus dur. Attends. Ouais, voilà. C'est bon. Ah et voilà, la chaîne est mise, tu vois. C'est vraiment pas compliqué, hein. Alors l'opération, tu le fais, bien entendu, sur l'autre roue, hein, l'autre côté. Et voilà. C'est bon. Comme ça qu'on met des chaînes. Et puis il y a un autre truc, est-ce que tu connais les chaussettes? Oui. Chaussettes, ça peut être du dépannage aussi. C'est comme une grande chaussette qu'on va accrocher sur la roue, c'est beaucoup plus facile, par contre c'est pas aussi efficace. Ah oui.